Salut les amis. Bon, bah nous voilà pour le premier trail, de la rentrée. Il se trouve à Boulary, au départ du stade de Boulary en fait. On va faire des boucles en fait. Il est prévu 3 boucles. Une boucle de 8 km, une autre de 16 et une autre de 24. Pour ma part, je suis avec ma fille, je sais pas trop où elle est. Ah bah elle est là devant. Et on se retrouve au départ en fait. Voilà. Il fait déjà bien chaud. Et je vous dis à tout à l'heure. Bonne course. D'accord, tout le monde. Un briefing de l'organisateur. La circulation est ouverte. Donc quand vous allez partir, vous serez tous en groupe. Vous allez marcher sur la route, au départ, courir sur la route, comme un véhicule. Vous allez rester à droite. Ok. Départ incessamment sous peu. La voiture est passée dans 1, 2, 3, partez. Allez, et c'est parti. Et c'est parti. Allez. Je sais pas si je dois aller là-dedans, je sais pas. Allez, souriez, c'est que le début. Le meilleur à servir. Et voilà. Okay. Ça continue de grimper. Toujours sur la route. Vous allez voir sur la vidéo. C'est un beau petit parcours. Bravo aux organisateurs d'avoir organisé ça quasiment à la dernière minute. Il y a des propriétaires qui se sont désistés et franchement ils ont mis tout un concentré de ce qu'on aime, coucou, de ce qu'on aime sur un trail sur un 8 km. Donc bravo à eux d'avoir su rebondir comme ça. Il est à l'heure, j'attends ma fille qui doit être derrière. Tout à l'heure, regardez les amis. Il y a déjà des beaux points de vue et on est qu'au début là, on est toujours sur la route. On va rentrer dans le chemin. Alors ce que je vais faire, je vais attendre ma fille. Je lui ai fait une promesse, c'est que je l'attendrai. Parce que de toute façon en plus elle va avoir besoin que je la soutienne. Vu la chaleur qu'il fait, elle va avoir besoin de moi pour que je la soutienne. Et puis après, c'est aussi ça l'esprit trail. Je voulais remercier aussi les bénévoles. Parce que sans eux, tout cela... C'est pas possible en fait. Ok, je vous dis à tout à l'heure. Allez, souriez, vous êtes filmés là. Voilà, un beau petit sourire pour dire comment on en chie. Ça, c'est impeccable. Allez, Bessie, courage. Regardez les amis. Un beau petit point de vue là. Magnifique. Vous allez voir en haut. Bon, ça crapahute, c'est sûr. Hein. Allez, Bessie, viens! Doucement, pas après pas! Ok, je vous dis à tout à l'heure. Bon! J'ai une mauvaise nouvelle qui me fait un peu chier. Ma fille a arrêté. Elle était dans la première côte là. Elle avait mal à la tête, ça commençait à tourner donc. Je lui ai dit, écoute, si tu le sens pas, plutôt que de risquer. Hein, un malaise ou une blessure, retourne au départ et puis voilà, on va retourner. Voilà, bon, c'est dommage mais bon voilà, c'est comme ça.
Donc là je suis en petite foulée. J'essaye de récupérer des places tout en essayant de gérer parce que il fait super chaud. Ok, à tout à l'heure. Ah, merci. Allez, à tout à l'heure. Ok, on arrive dans un petit coin sous bois. Purée, qu'il fait chaud. Il fait chaud. Allez, tout à l'heure. Regardez-moi cette vue. J'en profite pour filmer aussi. Allez, courage! Allez, courage. Bientôt au sommet. Bientôt au sommet. Rassurant. Voilà. Réconfortant. Voilà le beau point de vue du parcours. Vous voyez, c'est pas dégueulasse. On dort en face. Et en plus, il y a de l'air. C'est tout ce qu'il faut. Ok, je vous laisse. Je vous dis à tout à l'heure. Ok. En bas de la première descente. On s'enfonce dans un petit sous-bois, ça descend bien, un petit poulet. J'essaye de remonter des places, mais bon, c'est pas facile parce que avec la chaleur là, c'est pas évident. Ok, je vous dis à tout à l'heure, c'est un peu casse-gueule, ça glisse. En passage hein. En sous-bois, en forêt, là, ça pique bien, on est à l'ombre. Et avant d'attaquer la grande montée avec les cordes, je vais essayer de filmer, ça va pas être évident parce que c'est bien raide. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Ok. Là, dans la grosse montée, il y a des cailloux, il y a tout. C'est bien technique, ça glisse. Parce qu'il a plu récemment. On a eu un cyclone. Donc forcément, ça glisse. Ok. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Ça devient bien technique. Là. Il y a des cordes et tout. À tout à l'heure. Ok. Ouais. À la corde. Putain. Et ça glisse en plus. Et voilà, à la corde. C'est bien raide. Et ça glisse en plus. Ok, à tout à l'heure. Pour vous donner une idée de ce qu'on monte là. On monte ça. Là. À travers les rochers là. Heureusement qu'ils ont mis une corde. Une pente là, fait au moins 40 ou 45%. Allez, à tout à l'heure. Ok. Nous voilà en haut de cette côte là. Énorme. Avec la chaleur qu'il fait. J'avais fait à l'entraînement, mais il faisait pas aussi chaud. Là, c'est mortel. Ok. Je vous dis à tout à l'heure. Ok, je prends le temps de filmer parce que. En fait, on vient d'en face, on était tout en bas là-bas, on a monté toute la colline. On est redescendu là, dans la vallée, pour la remonter en fait. Le mur d'escalade là où il y avait la corde. Et là, à vrai dire, on est à l'ombre. Ça fait du bien. Ça fait du bien pour la récup là. Ok, je vous dis à tout à l'heure, on ne doit plus être bien loin du premier PC. Là. Et ça regrimpe. Ça regrimpe. C'est pas des longues montées, mais. Pourcentage de pente et la chaleur font que ça devient très difficile en fait. Et je vous dis à tout à l'heure. Ok, voilà, donc une bonne descente comme d'habitude en petite foulée. Ça tombe bien, il y a une corde. Ok. Je vous dis à tout à l'heure. J'essaye toujours de récupérer 2-3 places que j'ai perdu. On arrive au premier PC. Ravitaillement. Ça va faire du bien. Hop. Bravo. Merci. Merci à vous les bénévoles. Merci à vous.
55, 56, 56, vous le verrez pas, elle a abandonné, c'est ma fille. Ah d'accord, ok. Elle est repartie au départ, hein. Elle a commencé à avoir des mal de tête. Bon. D'accord, ok. Ok, merci à vous. Hein. Super, bravo. Allez, à tout à l'heure. Allez. Dernier gros coup de cul. En dit plus. Et après il n'y aura que de la descente. Je sors du PC. Il y a tout ce qu'il faut pour se ravitailler. Un pick-up. Allez, à tout à l'heure. Ah, ça descend bien. Hop là. Ouh. Putain, ça descend bien, ça glisse. Ouh. Heureusement qu'il a pas plu là-dessus. On se serait bien amusé, je pense. Waouh. On arrive là, là. On a aussi une belle vue. Hein. Une belle vue sur toute la baie, là. Le Mont d'Or. Ok, je vous dis à tout à l'heure, il y a encore une belle descente, là. Ok. Allez. À tout à l'heure. Wow, un peu de vent. Putain, ça fait du bien. Ok, à tout à l'heure. Ok. Me revoilà sur la route. 2 km là, puis on est arrivé. Allez, à tout à l'heure. Ok. Me voilà dans les fameuses marches que j'avais pris en photo. Pour ceux qui se rappellent. Sur la fin. Le truc qui te tue bien, tu vois. Ok. Allez, à tout à l'heure. Hey yo yo! Génial, super. Mon copain Yo-Yo, qui doit être bien classé là pour l'instant, je pense. Ok, voilà, on va essayer de reprendre un petit roulé. Donc voilà, sur un petit chemin, là. Bien sympathique. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Ok, on arrive au stade là. Ça se termine. Merci. Ok. On vient de se faire un tour de stade. Et on arrive. Ah, c'est où nous? D'abord hein. Écoute, bravo à toi. Ok. Allez, passe devant. Finish. Finish, finish. Bilan. Chaleur, chaleur. Bravo. Bravo. Génial. Super parcours. Tu t'en sors très bien, c'est génial. Super. Ok, je vous fais un briefing tout à l'heure. Fait une bonne pause pour la récup. Je suis à l'arrivée et je vais vous faire un débrief de ce trail. Bah, c'est un petit trail bien sympa en fait. Bien sympa. Un beau parcours comme vous avez pu le voir sur la vidéo. Dans un concentré de boucles de 8 km, ils ont réussi à réunir un petit peu tout ce qu'on aime dans le trail. Donc pour ça, au niveau de l'orga, chapeau parce que on leur a annulé leur trail, leur parcours 15 jours avant. Et franchement, ils se sont bien rattrapés sur la petite boucle. Sinon, bon, on a subi. On a tous subi la chaleur. Parce qu'il fait super chaud, en fait. Donc, on a tous subi la chaleur. Ma fille, la première, bon, bah, elle a abandonné, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Hein. Elle était pas bien, donc je lui ai dit de faire demi-tour. Et puis voilà, c'est des choses qui arrivent. L'important, c'est qu'elle aille mieux plutôt que de se blesser. Moi, je vous dis à la prochaine. Sur un autre parcours et puis comme d'hab, tata bisous.